Bonjour Guillaume, bonjour l'équipe de Buzzland, très content de vous retrouver une fois de plus sur votre superbe canapé rouge, comme chez Michel Drucker, n'est-ce pas? Alors, effectivement, ça c'était une surprise d'ailleurs, parce que je m'y attendais pas. Et quelque part, ça fait plaisir, parce que bon, cette chanson Monde Tabou, je l'ai enregistrée en 88. Avec, elle a eu un petit parcours quand même un peu en télé et un petit peu en radio enfin, à l'époque, donc début 89. Et donc, cette chanson, j'en suis assez fier, parce que c'est une de mes premières chansons. Alors, effectivement, ce n'est pas la huitième merveille du monde, comme certains le prétendent. Il ne faut pas oublier que c'est une écriture que j'avais quand j'avais 18-20 ans, quoi. Je chante ma vie. Ah! Alors là, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, mes inspirations du départ sur la Dance, c'est Patrick Juvet. Depuis longtemps, parce que je suis fan. Mais en fait, c'est surtout l'association avec des musiciens et des compositeurs. On me propose des musiques, puisque moi, je ne suis pas du tout compositeur. Dans ce registre, justement, Dance, donc en fait, c'est plutôt eux qui sont influencés et qui m'amènent quelque chose où je vais y mettre ma voix et des mots, quoi. Donc, alors après, effectivement, je trouve que ça m'habille bien, mais c'est pas moi au départ, sachant quand même que la dance, ça reste de la dance floor, c'est de la dance floor. Mais c'est vrai qu'il y a, on sent dans certains titres que je suis fan de Patrick Juvet aussi. Je suis pas souvent l'homme que l'on dit. Alors, il est disponible sur toutes les plateformes qu'on trouve habituelles, hein. Je ne sais pas si je peux citer des noms, pas. Donc iTunes, Amazon, enfin, tous. Hein. Et puis, si vous voulez avoir l'album comme ça dans les mains, comme moi, donc vous allez sur Price Minister et vous aurez le vrai album physique. Si je vis toutes mes heures. Mais en fait, c'est pas que je change de registre, c'est que j'aime vraiment les deux. J'ai même trois univers. J'ai pop rock avec des choses que j'ai commencé avant l'album L'homme que l'on devient. L'homme que l'on devient, c'est vraiment l'album et la communion avec le travail que je fais avec Art Sullivan dans tout ce qui est romantique, tout ce qui est chanson intemporelle à émotion. Et puis je me fais plaisir avec justement ce côté Juvet, Farmer, enfin je sais pas, moi il y en a plein, hein, Kylie Minogue, Isa Ferrer, tout ça, bon bref. Et donc voilà, avec ce côté dance, parce que c'est pas le même public, ça s'adresse pas vraiment aux mêmes personnes, et puis voilà, ça s'écoute en boîte. Je crois que j'ai quelqu'un à Paris qui l'a fait écouter au Queen, il me semble. Pour combler ce vide qui me fait peur. Alors ça c'est ma dernière chanson qui a été faite à Bruxelles pour l'instant avec donc une chanson de Art Sullivan. C'est une reprise que lui il avait mise sur une face B d'un 45 tours dans les années 80. Et puis comme c'est une chanson que j'aimais beaucoup de lui parce qu'il la chante aussi à l'époque, je la passais souvent sur mon mur, etc. Et il me l'a proposé quand on a décidé de refaire une chanson, il me l'a proposé. Il m'a dit tiens t'aimes beaucoup cette chanson, je trouve qu'elle t'irait bien. Écoute si tu veux je vais te refaire des arrangements et ça ira bien dans la lignée de l'homme que l'on devient en fait. C'est un peu tome volume 1. Et par contre, l'idée de la chorale, c'est le producteur. Quand il a entendu les nouveaux arrangements et la démo avec ma voix, comme j'avais posé ma voix, il a dit, oh, il faut des petits là-dessus, il faut une chorale d'enfants. J'entends, je vois déjà ce qu'il faut. Donc, on est allé dans ce projet vers une chorale d'enfants. De courage m'envahit. Alors, il y a des choses qui sont en train de se signer, justement, en Belgique. Suite à mon passage il y a quelques mois, là, en novembre, où j'étais allé faire une mini tournée de radio et où j'ai aussi gagné un trophée, et voilà, et on m'a à Wans, où j'ai chanté. Donc il y a des choses, j'ai un agent là-bas qui s'occupe un peu de moi. Donc il y a des choses qui arrivent, mais qui ne sont pas encore signées. Alors je ne vais pas vous donner les dates tant que ce n'est pas signé, mais il y a des choses qui arrivent. Il faudra suivre sur mon Facebook. Ma voix qui se sert pour rien. Alors déjà, je remercie les fans parce que je ne sais pas comment ils font, jour et nuit, pour voter comme ils le font. Je vous remercie du fond du cœur.
Je sais que ça vous coûte aussi parfois un petit peu d'argent parce qu'il y a des gens qui apparemment font des boosts, mais je sais aussi que c'est un affectif que vous me remer... enfin, que voilà, vous que vous me remerciez quelque part le, bah, voilà, de vous apporter des belles chansons, des gens. Alors, pour mes détracteurs, je n'ai pas une carte bancaire parce que si j'avais beaucoup d'argent, j'irais miser et refaire de la production de chansons. Donc je vous assure, moi, c'est pas ma carte bleue que je fais chauffer. Voilà, comme ça c'est dit. Mais en tous les cas, je remercie ceux qui le font, ceux qui se donnent la peine de me propulser numéro un. Pas que la chanson est meilleure que les autres, c'est simplement bah, j'ai un fan club qui essaie de, voilà, de m'aider dans ma démarche, dans ma carrière. Je suis pas l'homme que l'on dit. Ah bah, un petit cadeau, alors on va essayer de faire un extrait de l'album L'homme que l'on devient. Et donc j'ai pensé vous chanter Te retrouver, parce que je trouve qu'elle s'y prête. Donc voilà, un petit cadeau bonus avec un grand merci à vous, mes love fans. Je ne dis pas les prénoms parce qu'il y en aura, il y en a qui seront oubliés. Donc voilà. Tourne le temps. Passe le mien à découvrir ton autre chemin. Les habitudes, le quotidien nous changent en vain. La lassitude a fait de nous des étrangers. Puis viennent les soirs de solitude sans un mot. Et chacun dans sa bulle. On s'écoute sans se parler, sans se regarder. Maintenant, j'ai besoin de te dire simplement. Te retrouver tout comme avant, sans peur du vide, sans peur du temps. Figer les heures justes. Pour nous deux, pour m'évader au fond de tes yeux, te retrouver tout comme avant, en savourant chaque moment, et à t'aimer comme un débutant, se retrouver tout comme avant. On planifie la vie ensemble. Les jours se suivent, mais se ressemblent. Pourtant, pour toi, tous mes sens restent en éveil. Dans notre chambre, je ne veux plus être en sommeil. Te retrouver tout comme avant, sans peur du vide, sans peur du temps, figer les heures justes pour nous deux, pour m'évader au fond de tes yeux, te retrouver tout comme avant, en savourant chaque moment, et à t'aimer comme un débutant, se retrouver. Tout comme avant, nous retrouver comme à 20 ans, pouvoir se dire qu'on a tout le temps, redécouvrir et revivre tous ces grands moments, se retrouver et s'aimer comme des amants. Dans ton regard, brille qu'une seule image, et dans tes yeux, le plus beau paysage.